Ah, un joli temps s'annonce pour une belle journée à tuer des gens. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode du Let's Play de Far Cry 3. Donc, le tueur laissé, après avoir capturé le point tout mignon, on s'est fait repérer à cause d'un toutou, je ne sais plus comment on a fait pour se faire repérer. Bref, aujourd'hui nous devons faire une mission où nous devons aller rendre visite au docteur Ernold. Arnold, je sais plus. Arnold. Mais d'abord, nous allons faire une petite mission qui est annexe. Nous allons faire la quête où il faut tuer quelqu'un. Un pirate braconne des animaux près d'une source chaude. Tuez-le au couteau selon la tradition des Rakyat. D'accord, il faut le tuer au couteau. Donc c'est à côté, donc on va pas se faire chier à prendre une voiture pour 2 mètres. Donc on va se mettre en mode Geoffrey. Voilà. Donc attendez. C'est parti. On va y aller en mode discrétion. Je vais venir te violer. Par contre j'ai remarqué dans la carrière suivie de l'épisode numéro 1, je sais pas ce qui vous a plu. Faudrait me le dire dans les commentaires si tu vois ça pas beaucoup. Après tout on est sur YouTube, on est là pour communiquer. Chaude pisse. Allez, vas-y, retourne-toi une dernière fois. Je reviens. Je te retourne, je vais te tuer. Voilà. Voilà. C'est toi, mon beau. Oh! Voilà. You dead, motherfucker. Donc on va un petit peu ramasser tout ce qu'ils ont. Celui d'en avoir du fric. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà. On va aller fouiller un petit peu ce qu'il y a en dessous. Ah là, j'ai atteint l'argent que je pouvais fabriquer un portefeuille plus grand. Parce que là, il est plein le portefeuille. Donc attendez, je vais regarder où on doit aller d'abord. Donc on doit aller tout ici. Donc on doit aller à l'ouest. Donc je regarde dans la confection ce que je peux faire. Ça, non. Portefeuille, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la peau de cochon. Bon, la peau de cochon. Bon, portefeuille, la peau de cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Cochon, cochon. Est-ce que je pourrais en trouver du cochon? Peut-être vers cette zone-là. La fois dernière, je vais trouver du cochon. On va voyager rapidement à Imanaki. Oui. Donc voilà, nous sommes arrivés à la maison. Putain, je me tente toujours de sortir. C'est n'importe quoi. Donc j'espère que le premier épisode vous aura plu avec les petits montages fun hein, que j'ai pu vous faire. Donc on va prendre notre petite voiture, nous allons pas rentrer dans un poteau cette fois. On va profiter de la vue. Donc la tour, on sait pas où. Je crois que nous allons laisser la voiture. On va éviter de faire chier les pirates. Qu'est-ce qu'ils font? Oh fuck. Fuck, 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 fuck this. Fuck this point. Ah! Putain. Ma gueule. D'accord. Je prends des meningues. Merci pour les meningues.
Préfère continuer à pied parce que faut se faire violer à chaque fois. Pas mon truc moi. Mais qu'est-ce qu'il y a des gens là parce que. Y'a personne. Eh, franchement il est trop beau le jeu. Petit plongeon tranquille. On nage. Avec la faune. Y'a personne. Donc ça va tranquille. On fait un petit saut. Petit. Casse-toi, t'as raison. Voilà. Donc nous sommes tranquilles avec une musique en fond. Courant au soleil. Allez parler au docteur Erknard. Mais c'est ce que je vais faire. D'abord, on va activer la petite tour radio. Nous allons chasser le cochon pour avoir du portefeuille. Et après, voilà. Ah, c'est un petit camp là. À mon avis, il doit y avoir des petits pirates. Alors, les petits pirates, vous vous cachez où, les petits salopards que vous êtes? Ah. Oui. On va les faire chier. Si j'ai envie de les faire chier un peu. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Les végétaliens n'ont pas de soucis d'impuissance. Je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Enfin, je crois. Je suis sûr de t'avoir tué, moi. À l'attaque. C'est bon, ça fait du bien ça, un couteau dans le ventre. Ah, donc vous me ferez plus chier, c'est déjà, c'est ça. Donc pour monter à la tour radio, nous allons faire, nous allons monter ici. Alors après, plus les niveaux évoluent et plus les tours radio seront durs à monter. Vous m'avez compris quand je dis. Là. Hop là. Donc nous aurons des petites plantes après. Voilà, donc on monte à l'échelle. Voilà, tranquillement mais sûrement. Voilà. Avec un petit rayon soleil qui t'explose les yeux quand t'as les yeux bleus. Hop là. Tranquille, là c'est une petite tour basique donc tu montes facilement. Normalement. Hop là. Alors là c'est plus long. Il monte et monte le furet du bois joli. Voilà et là t'as une belle vue. Et là, tu peux prendre des photos. Ah, voilà. Franchement, ils sont pas puissants ces Canada. Pas le Canada. Oh, pardon. Donc, on peut aller. La zone s'étend jusqu'ici. Et là. Là, bon, une petite zone. C'est pas, ça ou c'est des endroits que tu dois visiter plutôt. Alors attendez, faut trouver du cochon. Cochon. Et du cochon ici. À côté d'un poste, ça tombe très bien. Nous allons le capturer, le petit poste. C'est à côté d'un petit poste, et moi ça attend quand même. Enfin, je sais pas. On peut faire chasser. Ah merde, l'appareil photo, je crois. Nous allons chasser du cochon. J'ai pas envie de capturer le point encore. On va attendre un petit peu. Parce que le point il est juste à côté là. Donc les cochons normalement ils
vers là. Faut savoir monter. Mais par contre, les cochons, je les tirerai pas dessus. Oh mon dieu! Ils sont où les petits cochons? Petit cochon, petit cochon. Est-ce que vous vous cachez l'oignon? Petit cochon, c'est ça normalement? Ouais, on a voir du cochon normalement. Faut que ça se traîne la forêt pour en avoir. Petit cochon, vous vous cachez où? Cochon, cochon. Petit cochon. Ah! Pas du cochon. Ah, cochon, et alors? Ah là, cochon. Votre cochon, voilà. Mais non. Des seringues avec du cochon. Portefeuille. Avec un portefeuille. Robuste et tout. Poteur. Voilà. Portefeuille plus grand. Le poste, je le reprendrai quand j'aurai l'arc. Donc ça veut dire après que petit cochon, le pauvre, je suis tué. N'aie pas peur, je vais pas te faire de mal, toi. J'ai juste tué ton petit ami. Enfin, pas si vous étiez des mâles ou des femelles, ça s'arrête à moi. Coucou les petits oiseaux. Non, je me sens pas de faire une mission pour aider les gens. Je suis méchant, j'aide personne, moi. No way off. On va passer par la mer. Oh, oh, oh. It's not a good idea. Oh. Putain de rebelles, laissons-les dans ce trou. Oh! Ta gueule! Tu n'as rien vu ni entendu. Voilà. Voilà. Trésor ici. Voilà, 52 dollars. Attendez, je me gratte l'oreille. Hop là. Le bateau, attendez, je l'aurai encore. Voilà, c'est parti. Yop là. Donc, nous voyageons tranquillement. Bien sûr. Voilà, nous sommes arrivés au bord avec le petit bateau. Putain, j'aurais bougé, c'est chiant ça. Pas bouché, non. Une gratte quoi. Mais là il me faut du mouton pour avoir plus de choses avec l'arbalète. Enfin je veux dire avec l'arc. Enfin l'arbalète, je suis blond. Et con. Non je ne suis pas blond les gens. Faut pas croire ça. Donc nous devons monter. Au village d'Amanaki. C'est plutôt la maison du docteur Ernard. Ernard. Hartung. Quoi ça? Ah non merde. Ah non, ce n'est pas bon. Mouton. Ah. Fallait faire tard. Mouton. N'aie pas peur, tu vas juste mourir. Désolé les gens pour votre frère, mais bon. Voilà, peau de chèvre. Excusez-moi les moutons, mais bon. C'est la vie. Non, vous inquiétez pas, vous, je vais pas vous tuer. Ne vous inquiétez pas. Je ne tue que ceux qui le méritent. N'aie pas peur, petit mouton. Je t'en veux pas à toi. Je n'ai pas méchant. Ah, il y avait un trésor ici. Voilà. De la viande de chien, Berk. Donc nous allons arriver à la maison du docteur Earnhardt. C'est très joli, moi je trouvais. Après voilà quoi, faut savoir. Faut avoir des goûts quoi après. Oh, nous rangeons des armes et nous sommes pacifiques. Nous sommes gentils. Wow.
bizarre, mais c'est joli. Hello, y a quelqu'un? Ok. Donc je vous laisse avec la cinématique. Vous cherchez quelque chose? Ce sont les rouges que je préfère. Les mauves sont très bien pour chasser les idées noires. Ils sont tous bons, de la meilleure qualité. Oh non, pas les jaunes, n'y touchez pas, elles sont mortelles. Mélange n'est pas encore tout à fait réussi. En fait, je suis le docteur Earnhardt, à votre service, ou enfin, quand mon état le permet. Jason, c'est Dennis qui m'envoie. Il a dit que vous auriez trouvé un de mes amis. Dennis vous a dit ça? Je vais en concocter une fournée tout à l'heure. Quoi? Oh, vous parlez de la fille, Daisy. Oh, c'est donc Daisy. J'étais persuadé que c'était un code. Où est-elle? Mais elle est chez moi, en effet. Elle est là. Donc nous avons trouvé déjà une de nos amies, c'est déjà ça, moi j'ai envie. Hein. Donc on va aller la voir. Daisy, où es-tu? Je te désire. Lol. Elle est chaude. Et brûlante. Ça, c'est la fièvre. Quand je l'ai trouvée, elle avait une entaille au bras. En soi, cela n'a rien d'alarmant. Mais elle avait traversé un champ d'Antiaris toxicaria. Et où passe, sécrète. Un latex très toxique. Je lui ai donné un antidote régulièrement. Toutes les heures. J'ai peur qu'il ne lui faille déjà une dose supplémentaire. Mais j'avais vérifié pourtant. Il n'y en a plus. Où est-ce que je peux en trouver? Dénichez-nous quelques champignons cavernicoles et moi j'aurai de quoi faire. Parcourez les falaises. Vers l'ouest. Merci, docteur. Désolé de vous brusquer. Ce n'est rien, voyons. La fille doit survivre. Pour vous comme pour moi. Allez, c'est parti. Donc nous avons vu un petit objet à récupérer. Avec un... Je sais pas ce que c'est, mais il faut le récupérer. Putain. Moi je fouille, je suis un fou. On va prendre le delta plane pour aller chercher un endroit désigné. Quitter la zone de la mission, retourner vers l'objectif où la mission échouera. Mais t'inquiète pas. Voilà ce que j'appelle une belle vue. Qui est très jolie. Tatouage. Rien du tout. I'm flying into Zana. Mais comme Anita Mort in the ballet. J'invente les paroles. C'est magnifique. Ouais. Je suis en vidéo, mais bon. Alors, nous volons. Donc, je vais me lâcher dans pas longtemps. Mais non. Ouais. Ouais. C'est parti. Ah, j'ai plus vite. Oh, allez, plus vite, 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 plus vite. Voilà. Cet arrêt de docteur a intérêt à savoir ce qu'il fait. Ouais, sérieux. Bon, faut avoir confiance à des gens. Faire un plongeon, moi.
t'as fait quoi après. Oh putain, ils sont toxiques à ce que je vois. Ça c'est pas normal. Bien sûr. Ce sont les rouges que je préfère. Tu es éveillé. Enfin. Pas complètement. Wow. Le monde est sens dessus dessous là. La jungle nous parle à travers le guerrier. La voix conduit au cœur de la jungle. Le studio a appelé. J'ai le rôle. Il va prendre nos vacances alors. On devrait pouvoir en parler comme des adultes, non? Lisa, on est à Bangkok, ensemble, et t'es incroyablement belle. Que je vous sépare comme vos amis? Non. Je t'ai promis à papa de veiller sur Riley, toi. Riley, ton petit frère, t'es un exemple pour lui. AJ, tu viens à ma remise de diplôme le mois prochain, hein? Désolé, je suis pris. Oh putain, ça va bien pas venir à la remise. Docteur Arma? Docteur ? T'es trop abusé là. De quoi t'as peur au juste ? T'es fait pour manier un flingue. Grant ? Depuis combien de temps je suis là? D'après ce que je vois, d'après ce que je peux voir là, on aurait dit qu'il y a resté une journée entière, mon pote. Vu qu'il y a soit l'aube ou soit crépuscule. Je crois que c'est l'aube plutôt. Franchement, il est très joli ce jeu, surtout où il y a le soleil et tout. Hein. Caché. Oh, on monte tranquillement, mais sûrement. Donc on va voir le docteur là, parce qu'on a trouvé les champignons qui nous permettra de soigner la femme Daisy. Oh yeah. La petite Daisy, allez, on se dépêche plus vite. Jason. Ah Jason, quelle bonne surprise. En votre absence, j'ai concocté quelques friandises. Au fait, la jeune fille est réveillée. Mais elle a une très forte fièvre. Qu'est-ce que j'en ai fait, justement, tiens? Ah, c'est vrai. Je les ai toutes gobées. J'ai les champignons. Fantastique. Donnez-les-moi. Il faudra le film. Quelques minutes pour préparer le remède. Ok. Allez donc la voir. Je suis en vidéo, mais bon. Putain.
Donc il faut aller voir la petite fille. On va voir la porte tranquille. Ta ta ta. Tu es réveillée, ma petite Lisa. Je vais venir te violer. Ah, 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 ah. Je vous laisse avec la cinématique. Jason. Comment tu te sens? Ah, tu t'en es tiré, c'est tout ce que j'espérais. Ce docteur est un vrai barjou. Ah, il n'a rien de méchant. Non, il est assez gentil, en fait. C'est lui qui m'a amené ici. Je me suis enfui du convoi. Et après, j'ai dû m'évanouir. Ce docteur m'a sauvé. Oh, c'est bon de te retrouver. Ouais. Ça a été vraiment dur. Jason, qu'est-ce qu'il y a? Grant, il... Grant, arrête. Non. C'est un cauchemar. Y a rien à faire. Je suis vraiment, vraiment désolé, Daisy. C'est quoi ça? Sûr que ça va aller. Je dois parler des autres avec les docteurs. Ouais. T'es sûr? Vas-y. Jason. Celui qui a fait ça. Celui qui a tué Grant. Trouve-le et tue-le. Je peux vous parler? Mais je vous en prie. Je vous remercie de l'avoir sauvé. Je n'ai fait que mon devoir. Trois de mes amis et mon petit frère ont été enlevés. Si je les retrouve, je peux les amener ici. Il n'en est pas question. C'est trop risqué de cacher les victimes de Vas ici. Ces hommes achètent mes produits. Todo el tiempo. Au contraire, c'est l'endroit le plus sûr. Il les cherchera jamais ici. Je vous en prie, docteur. Acceptez de les recevoir. Sinon, ils seront tous tués. Agnès? Tu sais que je ne te refuse rien. D'accord, je les recevrai. Oh, il me faudra une double dose. Juste pour me calmer. T'en fais pas. Tu m'attends là, d'accord? Je vais retrouver les autres. Bon, ben nous devons retrouver les autres. Les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tu as trouvé ton ami? Ouais, c'est un like. Merci, Denis. C'est un like, la partager, mais dans le favori, ça ne prend que quelques secondes et quelques clics. Bien sûr. Où sont les autres? Portez-vous bien. Un moyen pour les repérer. Ciao tout le monde et à la prochaine. Je vous laisse avec le dialogue. Bye les gens. Jason, les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Medusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Medusa? C'est un bateau échoué sur une plage tout près. Et gardé par des pirates? C'est la voie du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son